ça tourne. Question de Didier Legade. Salut Amaël, tu vises quoi cette saison ou aimerais-tu lever les bras? Alors cette saison, j'aimerais bien lever les bras, peu importe la course en fait. Toutes les courses valent le coup, elles sont toutes dures à gagner, donc quand je sens que j'aurai la bonne forme, j'espère lever les bras un jour, mais voilà, je ne sais pas quand. Rémi Perron, bonjour. As-tu déjà eu un gros coup au mental et comment tu l'as surmonté? Des gros coups au mental, en général, on en prend régulièrement en tant que sportif de haut niveau et encore plus coureur cycliste. C'est quand même un sport de frustration parce qu'on gagne pas souvent. On se dit souvent qu'on aurait pu faire mieux, donc il faut toujours se remettre en question puis accepter justement ces petits coups de mou psychologiques. Question de Rudy34MHS. Est-ce que le Tour de Catalogne est un endroit indispensable pour les meilleurs grimpeurs comme programme? Ouais, c'est quand même... On a Paris-Nice souvent le premier gros objectif de la saison pour beaucoup. Et puis après le Tour de Catalogne, quand on a bien récupéré de Paris-Nice, c'est une super course quand on a des qualités de grimpeur pour pouvoir s'exprimer. Il y a aussi un peu plus d'opportunités en général. Donc ça reste un passage, vu notre programme, qui est pour moi incontournable. C'est Yann Euse qui demande à Amaël comment s'est passée sa journée, perso et en équipe. Cordialement, Yann avec un petit smiley qui sourit. Ouais, donc c'était une étape pas trop dure, mais quand même un petit peu sinueuse, ça a été très rapide. Donc c'était une bonne remise en jambe. Un peu fatigué quand même ce soir, mais je pense qu'on a bien joué, quoi. Je veux dire, on n'a pas pris de cassure. L'objectif c'était de mettre Warren avec les meilleurs devant au sprint pour pas prendre de temps. Donc une bonne journée pour l'équipe, pour la team Fortuneo-Samsic.